De là que je me souvienne, j'ai toujours lu. Je savais lire avant d'entrer en CP. Et ensuite, j'ai lu très vite des grands bouquins. Et c'est quand même Jules Verne qui m'a ouvert l'esprit. Et ensuite, beaucoup de science-fiction américaine des années 40 et 50. Et c'est cette science-fiction-là, en fait, c'est vrai que ça m'a occulté tout ce qui est littérature classique. Et celle-là, je l'ai découverte en troisième, parce que j'avais une excellente professeure de français, troisième, seconde, et on passe très vite de la littérature à un petit peu de philosophie avec les grands auteurs. Et c'est aussi, je vais dire, le travail de Monsieur Lagarde et Michard, qui avec un exposé bien fait de l'ensemble de la littérature française, me donne le condensé dont j'ai besoin pour me sentir exister pleinement. La littérature, pour moi, ce n'est pas l'occasion d'être un puits de science et de tout retenir. C'est surtout de ressentir, d'avoir cette capacité-là d'apprécier ce que l'auteur a voulu nous donner.